aussi. Quand on va sur le jeu. Oh là là, regardez ça. Oh, ce stream. Ce stream, vraiment, ça devient de la bombe. Ma copine Luna fait son second live. Je vais l'accompagner un peu pour l'encourager. Pourquoi faut-il toujours que tu lances au mauvais moment? Non, mais c'est elle qui lance au mauvais moment, c'est tout. Voilà. Et du coup, des bisous à Lunatomic et bon stream à tous les deux. Bon stream à elle. Et à toi en tant que spectateur et aux autres spectateurs, j'espère pour elle. Voilà. Bonne soirée à vous. Non, mais c'est bien, on va être tous les deux, Melzekiel. Mais de qui parle Tony? Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je regarderai après. Je regarderai après. Hop! Bon. Ah, il y a une merdouille là-bas. Pas récupérer la merdouille? Ah, mais non, mais c'est le mec qui voulait nous taxer du pognon là. Et il y a celui qui joue du pipeau là. Celui qui joue mal du pipeau d'ailleurs. Je sais plus comment on joue. Hein. J'ai déjà tout oublié. Il y a le mec avec son tapis volant là. Il est ouf. Voilà. Alors on va tous refaire. Hop, voilà, salut. Merde. Hop, son échec. De quoi tu parles? Hop, hop là, il a pas réussi à faire son tapis là. Qu'est-ce que... Ouais. On va peut-être sauvegarder après, hein, parce que... J'ai pas envie de me le retaper encore une fois, hein, parce que... On se l'est déjà tapé un bon paquet de fois quand même. Hein. Voilà, hop, c'est super. Du coup, hop, logram save. C'est ça, hein, la suite. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va activer la carte. Ah merde! Il y a les gardes qui ont été avertis. J'ai fait le con. Alors lui, faut faire attention parce que... Voilà. C'est un seul tir, mais... Il fait mal. Ils arrivent où? Ils sont où? Mais merde. Allez. Bah voilà. Moi je vais rester ici en fait. Finalement. Ils vont me contourner. Ouais, restez là les gars. Parfait. Ah lui il était con comme une pierre. Hein. Vraiment? Oh mais ils sont débiles. Ah non. C'est bon. Ils ont fini par trouver où j'étais. Bravo les génies. Hein. Ah, les génies sont frottés quoi les gars. Ah, ils sont en dessous. Par où ils me contournent ces cons? Voilà, c'est bien.
Ah, il est où l'autre? Y'avait pas un qui était dans le coin là? On va y aller doucement hein, parce que la dernière fois j'ai tellement fail. Ah, attendez. Y'a encore un débile. Allez! Et non, mais il essaie de viser l'autre là, oh là là. Oh là là, le gros nul. Mais quel gros nul ce Wulukai. Si je... Voilà. Si je fais ça... C'est nul aussi. Ok. Oh là là, mais... Quelle horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est débile, hein. Il fait de la trompette. Il fait de la trompette, le mec. Un garde champêtre. Ouais, 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 Wulukai. Oh, mais ils sont où? Il est là, il est là, le débile. Mais non, mais vise-le, vise-le. Oh, il sait pas. Il sait pas viser, il vise au fond là. Le v'là, regardez. Ils vont tous se pointer là. Allez, voilà, j'en doutais. Non, 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 non. Mais il est où l'autre? Le chef là? Merde. Amit, Amit. Non mais ils sont increvables hein. Est-ce que je peux pas prendre une autre arme? Oula, 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 oula. Allez, encore un. Allez. Ça, c'est cool. Bon. Petit à petit. Ah, tu m'as pas vu venir, toi, hein? Merde, je suis en train de me coincer en fait. Super. Il a tué ses potes. Peut-être essayer de prendre cette arme là, là. Il me semble que ça faisait un laser ou une connerie dans le genre. Aïe, ça m'a touché. Ah oui, d'accord. Merde. J'ai combien de munitions de cette connerie?
Bon, on va reprendre. Salut Goupil, comment ça va? Désolé, hein, je suis en plein en plein massacre, en plein génocide. Oh, il a volé lui. Il a volé. Ok, encore. Tiens. Tiens. Oh, putain, j'ai plus de balles. Hein. Je suis en train de niquer toutes mes balles. Viens par là, viens par là. Ah ouais, non, je suis concentré là. Oh, je suis concentré. Allez. Plus que 32 et on est bon. Ok. Allez. Putain, ça me gêne. En fait, c'est tellement plus simple de les. Bientôt fini. Non, 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 clairement pas. Hein. C'est super long, Outcast. Ah non, non, il me tire dans le dos. Putain de connard. Oh là là, connard. Oh non, oh non. Oh là là, ça fait 15 minutes que je suis sur la bataille. Bon bah voilà, premier fail, super. On est content, hein. Vous êtes content d'être là, vous? Moi je suis content, hein. Putain, je sais pas comment faire. Hein. Oh, j'ai pris cher. Oh, direct. Direct. Vous êtes ravis? Eh bah ben, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. Peut-être que... Voilà. Oui, change d'arme. Non ? Ah d'accord, celle-là c'est la 4. Merde, oh là putain, je me prends tout. Putain, mais ils évitent là. Comment ils font pour éviter? Ils sont trop forts. Oh là là. Mais l'arme de merde quoi. Voilà.
putain merde, j'ai plus de vie. Ok, bon. Ça va plus vite avec ça, hein. Viens par là, toi. Allez, viens te battre. T'es mauvais, non mais vas-y, vas-y, viens jouer à ma place. Combien j'ai? 304 balles encore. Allez, un de moins. Ok. Très bien, très bien. Ça diminue. Non! Oh merde! Non, 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 non! Putain, 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 non, crève pas, crève pas, crève pas! Oh là là, putain, ce truc de merde quoi. Puis on est stun en fait quand ça arrive. Il est en train de me balancer toute son artillerie, l'autre là. Hop, un de moins. Non mais va... reste là, toi. Viens mourir. Venez mourir. Putain, mais il y en a combien? Ils sont combien? Headshot? Non mais y a pas, ça marche pas. Y a pas le... Y a pas la gestion, c'est un jeu de 99 hein. Putain il me gêne au sol, oh là là putain le cadavre qui me fait chier. Il s'est barré où l'autre con? Celui qui me balance ses merdes là, qui me balance le mortier, il est ouf. Il y en a un qui est en train de crever là, super. Merde, il est là. Allez, viens là. Viens te battre toi. Tu me fais chier depuis tout à l'heure. Oh, je les ai tous eus. Le carnage. Vous avez vu ça, le carnage? Ah, j'ai niqué toutes mes balles, hein. J'avais 400 balles, il m'en reste 20. Mais je regrette rien. Je ne regrette rien. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais voilà, mérité. Hop, ça je récupère. Merveilleux. Petit dégât de chute. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc, hein. Je ferai pas ça tous les jours. On va récupérer toutes les munitions un peu partout. Et on va essayer de sauvegarder un moment aussi. On va essayer de pas doubler. On va essayer de pas oublier de sauvegarder. Ah, de la thune.
de la thune et des balles. Ça gagne, streamer? Tu parles en termes de sous? Ou en termes de skill? Dis-moi tout. Pose-moi vraiment ta question. Vie en termes de sous? Bah, ça dépend. Si tu subs... si tu subs à ma chaîne, oui. Si tu gardes ton Prime Gaming pour toi, non. Voilà. Donc, file-moi ton Prime Gaming. Et du coup, oui, je deviendrai riche. Riche et influent. J'ai gagné tellement de thunes, là. Riche comment? Alors, en vrai, moi, voilà, je fais ça... Alors, effectivement, ça me fait un petit peu de sous. Et c'est cool. Et ça va me permettre, en fait, d'acheter des trucs pour le stream, en fait. Je fais pas ça pour avoir un salaire, hein, clairement. Je fais ça bah, parce que, de toute façon, c'est du temps que je passais à jouer. Et ça me fait plaisir de jouer en discutant avec des gens et tout. Donc, c'est vraiment sympa. Mais oui, non, il y en a qui... Il y en a certains qui sont riches, oui. Enfin, c'est... Il y a des sommes assez délirantes quand même dans le milieu, quoi. Coucou Séverine. Recoucou Séverine. J'ai gagné. J'ai tué que 40 milliards de personnes. Comment ça, tu vas pas être pété de thunes? Bah, pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. C'est le problème. Va falloir attendre un petit peu, hein. Une clé. Si tu veux ma thune... Va falloir que tu subs déjà plus, déjà. Va falloir que tu offres des subs. Et après tu pourras me voler mon argent. Tu te casses. Alors si c'est de casser pour jouer à Sprite, ça me va. Je t'autorise. Bah voilà, merveilleux. C'est quoi là-dedans? Rien. C'est un cul-de-sac. Ah, ça, c'est un truc d'enfoiré, ça, en fait. C'est juste un cul-de-sac. Pour que t'ailles là. Que tu te fasses défoncer, quoi. C'est quoi, Sprite? Non, mais même là, tu forces, quoi. C'est Asprite. C'est un petit logiciel. Que j'ai acheté à Sev, d'ailleurs. Pour faire du... pour faire du pixel art. Si t'as pas de thunes, je me casse, Tu es vénal. Ah ouais. Ouais, je sais bien. Je sais. Mais bon, tu es... Tu vas redéployer... Outcast pas du tout. Pas du tout. Mais Sev me fait... C'est Sev qui fait la plupart des éléments graphiques, en fait, sur ma chaîne. Redéveloppé, ouais, d'accord. Et voilà, et on a prévu un petit truc. Elle et moi. Mais c'est elle évidemment qui le fait. Et du coup, elle avait besoin d'un petit logiciel pour faire des petits dessins en pixels. Et donc il s'appelle Asprite. Alors. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon. Si, j'ai appuyé sur le bon. Vas-y, save! Plein de canards. Elle en a déjà fait pas mal. Elle en a déjà fait pas mal. Mais c'est pas vraiment des coins-coins. Ça sera la surprise.
Ok, là. C'est pour quand? Ah bah ça faut demander à Sèvres. Hein. Attendez, on va essayer un truc. De marcher des masses. Hein. Ok. Allez, je descends par là. Hein. Voilà. Je vais me casser une jambe, mais c'est pas grave. Y'a pas une grenade? Non, y a pas de grenade. Ou alors, s'il y en a, je les ai pas encore récupérées. Oh, les cadavres qui restent là, et ça me gêne. C'est Tony Hop qui t'a demandé de dire ça, mais même pas en plus. Bah non, c'est juste que les gens sont friands de ce que tu fais, c'est tout. Et donc les gens ont envie de voir le fruit de ton travail. Tout simplement, je pense. Bon alors, j'ai cassé la gueule de la moitié de l'armée là. J'ai récupéré de la thune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire toi? Ouais non, on s'en fout. Ah clé. Donde está los clatos? Está banaki. Il est difficile. Oh là là, non, 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 non. Barre-toi, barre-toi, mais bah... Putain, mais... Mais quel glandu! Mais il est débile, hein. Ils vont m'entendre les gardes débiles là. Si je tabasse tout ce qui bouge là. Putain. Putain. Non. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Oh il est ouf le jeu. Hein. Ah mais vraiment. Hein. Tué par une araignée, quoi. Il est sérieux, quoi. Allez, ouais, ouais, tu t'es cassé la jambe, tout ça. Ah, super. Super. Est-ce que je serais tenté de dire jeu de merde? Pas loin. Allez, les araignées, on s'en fout. Allez, on speedrun les araignées, voilà. C'est ok. On a speedrunné les araignées. Hein? Où ça? Ah, il doit être en ouf. Ah, bah la caméra, ah, la caméra, allez ouf, allez où la caméra? Jean-Michel Caméra. Ah, le v'là le matériel médical. Merci. Tu t'es accroché, merci.
Mais on fout à quoi? On fout à quoi? T'en fous? Attendez, y'a un truc là. Sympa toutes ces petites bêtes poilues. Je parle pas du streamer. Oh là là, mais quelle vanne. C'est quoi les règles du chat? Dois-je répéter les règles du chat encore une fois? Mais pourquoi tu l'as pas pris? Qu'est-ce qu'il veut me dire lui? Je peux te poser une question? Je suis dans quel boc là? Le boc des marchands d'épices. Avoir Zagou, si tu... Ok, merci. Et les débiles qui devaient être au-dessus là. Ils sont où? Ils sont en haut. Vite. Ils m'ont pas vu les gros nuls, hein. Non. Cool. Quelle règle? Oh là là, elle a pas vu. Elle a pas lu les règles du chat. Quelle indignité. Vraiment quoi. Elle est VIP, elle a pas lu les règles du chat. Allô la caméra. Allô la caméra. Non mais il saute. Oh là là mais... Ah bah voilà. Oh bah il meurt vite là. Oh bah oui ils étaient nuls. On récupère tout le stuff. Allez. Oh, mais la gestion des cadavres dans ce jeu. Ça n'accepte pas les pros sarco dans ton chat. Si. Tant que. tant qu'ils en parlent pas et tant qu'ils lisent les règles, moi ça me va. Regardez, il me faisait coucou à travers le mur. Bonjour l'ami. Tu es l'envoyé... Que papa. Celui des Yodes, c'est ça? Il paraît. Oh, tu n'es pas aussi grand que je l'espérais, mais ça n'est pas grave. Rien de grave. Mes épices sont bons. T'es ok? Pas de vague à mon essence cette lune, Olokai. Je m'appelle... Ouais? Zagou. C'est ça. Je m'appelle Zagou. Oh, il est défoncé, Zagou. Il est défoncé, Zagou. Parle-moi tes épices, Zagou. Mes épices sont merveilleuses, Olokai. Elles rendent la vie tellement plus agréable. Il est défoncé. Comment ça? En les ajoutant à la nourriture. Au grand sauveur d'Adelpha. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec des épices? Dans quel genre de nourriture? Il n'y a pas un plat ou une boisson que je l'ai relevé avec mes épices, Olokai. Je peux donner à la nourriture le goût que je veux, ou aux boissons le goût que... Ah mais... Je me répète là, non? Défoncé. J'ai défoncé. C'est pas des épices qui font, c'est de la drogue.
Ok, bon. Et si nous étions à Gros Sac ? On sauvegardait ? Ah, que les pros Sarko. Mais pas du. Ah non, surtout pas. Hein. Surtout pas. Hein. Barrez-vous les pros Sarko. Hein. Allez en tôle avec votre copain là. Ça sera juste parfait quoi. S'il vous plaît, monsieur. C'est marrant, il fait des gros coucou, mais il me regarde pas en fait. C'est bien toi, Ulukai. Je suis content que les yachts t'aient envoyé à moi. Je peux savoir ce que tu fais, toi? Je vends des fruits au Talan, Ulukai. Je m'appelle Balazar et je me demande si tu ne pourrais pas m'aider. Tu vends quoi comme fruits? Surtout des fruits en provenance des îles au large de l'Okasankara. L'air y est humide et les fruits sont sucrés et juteux. C'est quoi ton problème? J'aimerais beaucoup montrer aux autres Talan des objets de notre passé. C'est une sorte de passion que j'ai. Mais quand j'ai appris qu'un autre Talan, Ominel, se constituait une collection personnelle... Ah oui, c'est... J'ai essayé de le rencontrer. C'est les deux qui se tirent la bourre sur la collection. Il n'est intéressé que par la postérité, et il a peur qu'on veuille lui voler sa collection s'il la montre. Il y a l'autre qui me fait alors derrière. Alors il cache tous ses trésors et continue à amasser de nouvelles pièces. Je parle là, je parle. Tu veux que je lui parle? Ah, de faire coucou. Non, ça ne servirait à rien. Ominel est fou. Non. Ce que je voudrais, c'est que tu me ramènes un objet qui se trouverait en dehors des murs d'Okriana. Et c'est quoi ce truc? Les soldats n'aiment pas que l'on sorte d'Okriana. Mais une lune... Un Talan a vu un objet bizarre enfui dans le sable, près de l'un des murs de la cité. Il n'a pas su me dire de quel mur il s'agissait. Tu veux que je te le trouve? Oui, et avant Ominel, il s'agit peut-être d'un morceau de la cité qui se trouvait à la place d'Okriana dans le passé. Ce serait très instructif. Je te récompenserai, bien sûr. Ah. Qu'est-ce que tu as comme objet dans ta collection? Ma collection n'est pas encore prête, mais ma pièce la plus intéressante est une pierre où se trouve le plus vieil échantillon d'écriture en ancien Talan. Mais je n'ai pas encore pu le déchiffrer. J'ai aussi plusieurs vestiges de la cité qui se trouvaient à la place d'Okriana dans le temps. Ils ne sont pas très anciens. Quoi d'autre? J'arrive à ma pièce préférée, sur laquelle il y a des dessins d'êtres vivants que je n'ai encore jamais vus ailleurs. C'est très curieux. Je peux la voir? Je l'ai confié à un Talan pour qu'il l'examine. Il va la garder encore un moment, je crois. Reviens dans quelques centaines de lunes et je te la montrerai, d'accord? Pas de problème, j'ai pas de rendez-vous ce jour-là. Alors... On va aller parler à l'autre débilos qui nous faisait coucou là. S'il vous plaît, monsieur. T'as quoi comme carte graphique pour le comment faire tourner? Comment ça va? Bien, Ulukai. Alors déjà, je et crois, je pense que c'est une vanne. À part que je suis coincé dans un monde parallèle, tout va bien? Mon commerce, ce sont les fruits, et je suis Mored, le marchand de fruits. J'ai une proposition intéressante à te faire, Ulukai. Et donc déjà, je pense que c'est une vanne. Et de deux, en fait, j'ai déjà expliqué, le jeu est pas fait à base de polygones, le jeu est fait avec des voxels. Le jeu est fait en voxels, et il utilise absolument pas les cartes graphiques. Donc c'est 100% CPU là. C'est quoi cette proposition? Quand tu te rendras dans la région de Hokar, regarde en haut des arbres.
On y trouve des fruits de la couleur du feu qui tombent à terre lorsqu'ils sont mûrs. Des pommes ? Non, des otis. Cela fait des lunes et des lunes que les déplacements entre régions sont interdits. Depuis, on ne trouve plus ce type de fruits par ici. Ramène-moi vite 10. Non seulement je te paierai, mais je te ferai aussi un cadeau. C'est urgent que ça. Ces fruits sont très précieux en CPU. Il faut investir dans le CPU. Et j'ai oublié alors. D'acheter un cadeau pour l'anniversaire lunaire de la conversion d'un ami. Ça m'est revenu tout d'un coup et je m'en veux d'avoir oublié. Et là, je suis en 2K. Hein. Là, je suis en 1044p. Mais 1440p. 1440p là. Donc la résolution est bonne, hein, mais c'est un jeu de 99. c'est pas le remaster. Hein. Ah oui, il y a le remaster, hein, mais... Ah, le mec, il a un i5 et il me vanne sur le CPU, quoi. Oh. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de carte graphique, du coup. Merci Séverine. Merci pour le coup de couteau. Si tu pouvais tourner un petit peu, ça serait pas mal. Ok, ça te dit quelque chose? Je ne connais pas les secrets de cette région, si c'est ce que tu veux savoir. Je n'y suis allé qu'une fois quand j'étais jeune. Il y avait beaucoup d'arbres et d'animaux. On entendait de la musique à certains endroits, comme portée par le vent. Quoi d'autre? Pas grand-chose, Lukai. Si tu veux t'y rendre, va dans le Kassankar et demande où se trouve la Daoka qui mène à Lokar. Je crois qu'elle est toujours sur une petite île à l'est de Siana, mais je me trompe peut-être. Il y a l'autre qui me refait coucou derrière. Là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut rien. Oh là là, c'est chiant. Oh merde, merde, merde. Oh là là. Putain, il y a une porte. Il y a la porte des étoiles. Il y a la porte des étoiles, les gars. Comment on y va? Bon, encore un, il me manque le troisième là. Allez, viens. Lève là. Hop. Voilà, parfait. Il n'y a plus personne devant la porte des étoiles maintenant. Un garde en haut là. Non, c'est pas des gardes. Ok. Est-ce que tu peux te perdre dans le Sahara? Non. Je pense qu'on s'enlise, je crois, si on essaie de d'aller un peu trop loin. Et il y a l'autre là qui m'a demandé de faire le tour. Pour trouver sa relique là. Hein? Quoi? Ah non hein. Ils ont pas appelé la cavalerie quand même. Et vise-la. Non mais, elle est devant toi. Vise-la. Putain. Merde. Oh les connasses, elles se planquaient. Elles sont moins débiles que les mecs.
Les araignées moins débiles que les PNJ. Hein. Merde, ils arrivent. Non, ils savent pas par où passer, c'est bien. C'est parfait. Ils sont cons. C'est exactement ce que je veux, des ennemis débiles, moi. Y'en avait pas une ? Putain, si. Et vas-y. Il vise en... Oh là, mais qu'est-ce qui branle ? J'ai regagné des coins, je vais les claquer, je crois. Oh là là, mais merde quoi. Un thé comme Tony Hob. Hop. Et bah c'est parti pour un thé comme Tony Hob. Thé comme Tony Hob. Oh là là. Quel merveilleux contenu je vous offre. Enfin, je vous offre de la thune, hein, mais on compte des coins, mais... Merde, 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 il y a l'autre là, il m'a vu. Vu. Moi, je voulais juste buter les araignées. Hein. Ok. Ça y est, ils sont partout. Ils sont partout. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu, ils sont vénères. Mais moi, je me casse. Ouais, c'est ça. Ils m'ont vu, mais moi je me casse. Déjà j'ai payé et en plus j'ai aussi offert. Ouais, attends. Oh, c'est vrai que double exploitation toi quand même. Non seulement tu files des coins, mais en plus tu files des coins pour voir des trucs que t'as toi-même fait. C'est pas joli joli hein. Bon c'est bon, ils m'ont oublié, il est tout nul là ou pas? Des araignées, j'en peux plus des araignées. Et que ça, il y a partout, partout des araignées. Ouais, je crois qu'il va falloir que j'aille dans le camp et puis que je bute tout le monde. Hein. Bon, il est où son objet à l'autre là? C'est
Pas que c'est long, mais presque. Hein. Oh putain, mais des araignées partout. Ok. Merde, il y en a encore une. Regardez, hop, là, il y en a encore deux. Ok, ça c'est fait. Alors là, il y a l'air de rien avoir. Non mais c'est les gardes, ils sont de l'autre côté du mur, donc ça va aller. Mis à part si le jeu est buggé à mort, il y a peu de risques qu'ils me voient à travers le mur. Ça va vraiment falloir se taper tout le tour là. Ah, il y a une entrée là-bas. Il y a une entrée avec des gardes devant. Trop bien, je vais pouvoir casser la gueule de tout le monde. Allez, descendez, descendez. Il y a l'escalier, voilà. Trop bien. Les génies. Cassez-vous. Oui, non mais c'est autre chose. T'inquiète pas le jeu. Ne t'inquiète pas le jeu. Il va prendre cher lui. Ah, il m'a vu ou pas? Oh. Ils se prennent des balles, mais ils font rien. Ah, c'est pas les... Je suis pas tombé sur les plus malins, hein. Clairement, c'était pas le haut du panier, hein. Il est pas encore mort, lui. Attendez, il y en a un autre qui arrive. Regardez. Hop. Il vient pour se faire buter, c'est parfait. Ok, de la dynamite. Pour le dos. Et j'espère qu'à un moment je vais le trouver son truc nul dehors là parce que... Si on s'est tapé si on s'est tapé tout ça pour rien là, chiant.
Bon, ça m'a permis d'avoir un succès Marathon Man là. Ah, regardez, il y a l'air d'avoir un truc dans le sol là. Dans le sable. Hop, merveilleux. Et hop, je l'ai eu. Super. J'ai trouvé. On n'aura pas fait ça pour rien. Oh là là, trop bien. Ah, les quêtes secondaires, c'est le... Hein, c'est quoi le truc dans le fond là-bas? Y a un truc dans le fond. Ouais. C'est quoi? Y a une structure en l'air. Non mais normal hein. Non mais le jeu est ok. Ceux qui disent que le jeu il est buggé, retournez jouer à Cyberpunk. Bon bah on court, c'est bien. Hein. On aura vraiment fait le tour. Hein. On va pas déconner. Hein. J'ai rien dit, mais Cyberpunk, c'est bien. Oui. Oui, dernière news que j'ai lue sur Cyberpunk, c'est que... ils ont fait un patch pour corriger une quête avec un mec qui appelle. Et que le patch maintenant fait en sorte que même quand tu recharges ta sauvegarde, l'appel est vide et que ton truc est bloqué. Ah, effectivement, bien. Exploiter les ouvriers exploiter les développeurs et les tirer jusqu'à peu plus. Ça fait des bons jeux pas buggés du tout, c'est bien. Hey, machin. Hey, Balazar, je crois que j'ai trouvé le truc que tu cherchais. C'était bien à l'extérieur des murs? Oui. Ah oui, comme prévu. Je savais bien que ce talent ne mentait pas. Alors, je me suis bien marré, j'ai eu ma dose de sable en tout cas. Je peux jeter un coup d'œil, Lukai? Bien sûr. Oh, Zort! Quoi? C'est bien ce que je craignais. J'ai déjà vu ce type de matière. C'est un métal rare, un peu particulier et surtout très dur. Et cette matière qui se dépose toujours dessus est aussi très résistante. T'as qu'à le laver, non? Non, on peut pas faire partir cette substance sans détruire les inscriptions qu'il y a en dessous. Alors t'en veux pas? Si, Ulkai, mais je vais devoir te donner moins de zorkin que prévu. Tu es d'accord? C'est ok. Voilà tes orquines. Désolé de ne pas pouvoir te donner plus. Ah, il m'a bien arnaqué. Hein. Il m'a bien arnaqué. Petite sauvegarde. Histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. Ok, et puis bah on va essayer d'aller. Déjà celui qui joue mal de la flûte là. On va gentiment lui dire de fermer sa gueule. Ta musique. Qu'est-ce que tu joues?
La chanson de Cloax. Il faut combien pour que tu la fermes? Pour toi, il me faudrait au moins ça. Combien? 90, ouais, dans ces données. Oh, c'est pas trop cher payé. La ferme, maintenant. Comme tu veux, Ulukai. Et voilà. On aurait dit un chat qu'on égorge. Un de moins. Un de moins. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutent? On n'est pas sur Discord pour discuter un peu en même temps. Hein? J'ai pas compris. Des munes, c'est cool. Est-ce que j'ai un salon sur Discord? Non. Ah! Oui, des fois ça m'arrive de temps en temps de faire des vocals sur... sur Discord. On pourra se faire ça un de ces quatre si tu veux. Là, pas ce soir, hein, clairement. Ah, il a perdu. Ah non, j'ai dit, il a perdu la tête. Est-ce que je peux mourir? J'ai flippé leur truc là. S'il vous plaît, monsieur. Alors, ça boum? Ulukai, peux-tu m'aider? À quoi? On a déplacé une grosse caisse avec cette glue et elle s'est déréglée. On ne peut plus l'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas très bien, Ulukai. Mais surtout, ne détruis pas la caisse. Je m'appelle Mogad et je te récompenserai si tu nous aides. T'as une idée de ce que je peux faire? On a essayé d'arrêter la caisse en lançant des pierres, mais ça ne suffit pas. Peut-être que ça marcherait avec une de tes armes les moins puissantes? Alors... Putain, y'a encore des mecs. Objet sacré! Objet sacré! Demandez mes objets sacrés. Ah, les gardes, quoi. Faut que je tire où? Dans quoi que c'est qu'il faut que je tire? Disez-moi. Je suis sur la corde. Marche pas son truc là. À droite? Comment ça à droite? Ah là. Ça a rien l'air de faire. Ah, la corde, c'est compliqué, hein. Je vais y aller à la grosse arme. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Parce que si je bute quelqu'un, je vais m'en vouloir, je pense. Alors, vas-y.
Ah, ça passe à travers, d'accord. Ok, donc ça marche pas ici. Ah, voilà. J'ai réussi. Hey, machin, j'ai réussi à arrêter la caisse. Pourquoi l'as-tu détruite? Il y avait du matériel précieux pour moi dedans. Ah merde. Dis-moi, c'est quoi ton boulot là? Il n'y a pas grand-chose à dire, Lukai. Je vends du matériel à ceux qui veulent construire des maisons ou réparer des temples. Il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Ok, bon bah voilà. Voilà, c'est bon. Il m'a dit d'arrêter la caisse, j'ai arrêté la caisse. Alors, combien? 392 balles, et là, 200, ok. Bon, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Ah, ils sont où? Ah, ils sont sur ce mur-là. Alors, ils sont où? Il y en a un là-bas. Ils m'ont vu. Oh, ils ont sonné l'alarme, ça y est. Salaud. Ah, ça y est, ça commence déjà au mortier, quoi. L'autre con qui est là. Merde. Ah là, il est descendu. Zut. Non, mais je vais y aller par la porte principale. Hein. Oh, mais il crève tellement plus vite que tout à l'heure. Regardez ça. Ça, il crève tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il crève aussi facilement maintenant? Ah, attends, Goupil, j'ai pas vu. Je lis ton message après. Ah, ils sont tous en haut là. Venez ici. Venez vous battre. Hop là. Merde. Pourquoi ils visent en haut? Mais pourquoi ils... Oh, putain, mais. Putain de merde.
J'ai pas de place, j'ai pas de place, j'ai pas de place. Merde, 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 merde. Oh là 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 là, mais quelle horreur. Toi, tu vas crever. Putain de merde. Non, 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 non. Faut pas que je meure, faut pas que je meure. Allez. Pourquoi tu crèves? Merci. Alors, il y en a un qui se cache là. Je l'ai vu. Je t'ai vu Jean-Mich te cacher là. Il se cache à l'intérieur. Oh, petit salaud. Tous tes potes sont en train de crever et toi tu te planques à l'intérieur. Ah non. Allez. Oh putain. Jean-Michel Caméra qui était aux fraises. J'en ai encore un à buter qui est là-haut, a priori. Ah bah oui, j'ai lui, d'accord. Est-ce que je peux pas l'avoir là comme ça? Il n'y a pas de hitbox sur la tête en fait. Voilà, la tête a pas de hitbox. Je viens d'acheter un écran portable USB-C, je pensais pouvoir le brancher en DisplayPort directement via un câble USB-C tout DisplayPort, mais que nenni. Une carte spéciale pour alimenter en USB-C et le brancher en DisplayPort. Ah bah oui, si t'as pas de Power Delivery, si t'as pas de Power Delivery, ça ne marche pas quoi. Mais vraiment. Vraiment le jeu. Ah, y'en a un là. Ah non, c'est le... J'ai cru que c'était un ennemi, mais non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment on y va là? Comment je le bute Jean-Mich là? Ça marche pas. Ah voilà. Voilà. Non, pas ça. Ça. Et trop bien. Petite carte mère et grosse carte graphique. Plus d'accès en PCI Express 1. Ah! Oui, d'accord. Ah, et non, ça faut faire gaffe, ouais. Effectivement. C'est pour ça que j'ai pris une full ATX, moi. Sinon, c'est le merdier. Parce que, ouais, du coup, bah, carte graphique qui prend deux slots. J'ai une carte USB, enfin, une carte PCI USB. Parce que finalement, j'ai plus assez de port USB. Derrière le PC, et j'ai une carte PCI Express vers NVMe. Donc ouais, si vu la taille des cartes graphiques maintenant, si t'as une micro ATX, c'est baisé quoi. Faut faire gaffe.
Ouais, c'est le seul intérêt des full ATX, hein, c'est d'avoir plus de place, hein, parce que sinon, en termes de fonctionnalité, les micro ATX ont autant de fonctionnalités que... Il y a un truc jaune qui clignote, là. C'est juste ça qui clignote ? D'accord. Et là, je me pète pas la cheville. Hein. Quoi le prochain achat ? Carte mère, New Proc et Alim. Ah déjà, premier conseil, tu repars pas chez Intel. Hein. si tu veux acheter, c'est direct chez AMD quoi. Hop. Hop. Il y a un truc là, c'est bizarre, c'est des gardes avec avec un truc jaune. Ah, j'ai gagné un mec là. Casser la gueule. Oh, bah dis. Un coup le mec il est mort quoi. Oh. Aïe. Ok. Hop. Hein ? Et il est où ton rôle avec son chariot là ? Il y avait bien un mec avec son chariot. J'ai pas halluciné. Bon bah voilà. Il y avait machin et son chariot et je les ai paumés. Ouais, je l'ai paumé. Ah, qu'est-ce qu'il a à me dire lui ? Hey, salut ! Bienvenue au Lukai. On m'appelle Yagou, et je suis marchand de riz. Alors, parle-moi un peu du riz que tu vends. Nous payons des impôts sur les bénéfices des ventes du riz au Talan. Comme nous l'achetons aux soldats au prix fort, peu de Talan peuvent se permettre d'en acheter eux-mêmes. Mais de toute façon, les soldats gardent presque toutes les récoltes de riz pour eux. Qu'est-ce que t'avais à me dire, toi ? Objet sacré ! Objet sacré ! Demandez mes objets sacrés. Combien pour ces objets, Viora ? Vas-y, blesse, terrorise, détruis !
Mais que fais-tu, Ulukai? J'ai dû abaisser mes prières au niveau les plus bas depuis des lunes pour... Ah, c'est cool. Alors, acheter des armes. HKP 12, ouais. Prends tes putains de Zorkin. Ce choix montre... Acheter des armes. Alors c'était quoi? Ellen Dio. Ou 750, je crois que j'ai assez. Hein. Prends tes putains de Zorkin. Yes. Avec ça, tu vas faire des dégâts, non? Bah, c'est un peu le but, ouais. Acheter des armes. Tu n'as pas assez. Zut. Objet sacré. 1300. Objet sacré. Demandez mes objets sacrés. Donc ça c'est ça. Ça, ça fait quoi? C'est peut-être avec ça que j'ouvre le puits, je sais plus. Ouais, voilà, il a peur ce con. Il est où l'autre Talan là avec qui j'avais prêté du pognon? C'est quoi le point jaune là? Ah mais c'est le mec qui vend sa flotte ça, non? Je sais plus. On va les buter. Ah, ils sont montés. Bon, on va aller les buter là-haut. Hop là! Ah, plus ça va, plus ils sont faibles en fait. Allez, merci. Oh, il y a un coffre au-dessus. Merde. Allez, lui en premier. Aïe. Tu fabriques quoi? C'est moi qui... Ok. L'autre là, qu'est-ce qu'il fout? Au pire. Y'a l'autre qui joue mal là. Il avait déjà dit de se taire, mais a priori. Ah, là, il y a une porte. Très bien, ça. Oh non, mais non, oh là là, mais... Quelle horreur.
Non, 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 non. Oh putain, saute, saute. Oh là 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 là. Comment j'ai pris la max. Bordel. Allez, oh là là là. Ah, il y a encore une... J'espère qu'il n'y a pas de... J'espère qu'il n'y a pas d'araignée dedans. Non, là, c'est ok. Bon. Re-sauvegarde. Alors, le puits. Est-ce que j'aurais type alarme qu'il faut maintenant? Ah mais tout le monde s'est vraiment barré du puits en fait. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut? Oh, je sais pas. Ah oui. Alors, ça y est, j'ai débloqué le puits. Bon, lui, il a peur. Il est où celui qui s'occupe du puits là? J'ai plus la tronche qu'il a. Non, c'est pas lui. Non. Faudrait que j'aille voir dans les quêtes. A priori, mon truc avec le puits là, ça a pas marché. Hein. Objet sacré, objet sacré. Oui. Se faire arnaquer, se faire arnaquer. Objet sacré, objet sacré. Demandez mes objets sacrés. Mais il est où? Alors, j'ai ça, j'ai ça. C'est où pour voir les quêtes? Je sais. Ah voilà.
Carnet de mission. Je suis à location de car là, non? Non. Général. Je suis au Talanzar. Aujourd'hui, je vais revenir le voir. Revenir voir Mika pour le remboursement. Ouais, faudrait que je la trouve. Enfin, je le trouve d'ailleurs, je sais pas. Guizo voudrait que je retrouve le talent d'Okasankar à qui appartient le bracelet. Ah, faudrait que j'y retourne du coup. Shadi, le musicien, livre du lampé dans les camps militaires. Zadik, de grosses roches, bouche le fond du puits. Jokas a besoin de colle pour son tapis en peau. Zagou a parlé d'épicer les plats et les boissons. Ok, faut que je retrouve Zadé. Il est où? Que j'ai tout fait péter dans le puits moi. Eh, vous là-bas? Trouver un talan, ils sont où? As-tu vu Zadé? As-tu cherché au boc des tanneurs? C'est tout au sud du palais de fées. Bah, j'y suis là. Ils regardent tous par là. Objet sacré. Je tout buggé. Et non, là, je suis dans le camp. Oh là là, je veux pas aller dans le camp militaire. Je veux pas aller dans le camp. Je peux pas tricher dans le jeu. Si, si, il y a des cheat codes. Il y a des cheat codes dans le jeu. Hein? Zagou, Moret Dominel. Mais je veux. S'il vous plaît, monsieur, je suis dans quel... Le boc des tanneurs, si tu veux une... Tu te sauves, et écoute, merci d'être passé. Ça fait plaisir de te voir sur le stream, et puis de discuter un peu avec toi. Et puis, bonne soirée, du coup. Bye. Où se trouve le chef de cette région? Il est au boc du mar... Objet sacré. Demandez-moi objet sacré. Objet sacré. Qu'est-ce qu'il a comme pro? Depuis quelques millénaires. Bon, on va regarder. Ça me saoule. Alors, Outcast. Puis.
Ah, mais faut vraiment utiliser le LN du haut, j'avais bon. Eh non, mais en fait, non, mais j'ai bon en fait. Tu triches, je regarde une soluce pour pas y passer des plombes à un moment. J'ai le droit. Je fais ce que. C'est mon stream, j'ai le droit de tricher si je veux. Sans déconner. Alors. Merde. Pourquoi ça marche pas? Non, c'est pas ça. Bien cette arme là hein. Hélène Duo, oui c'est ça. Pourquoi ça marche pas? Allô? Ah non, d'accord. Ok. Ah. Là il y a de l'eau. Non. Oh je sais pas. Ah bah oui regardez ils reviennent. Ils reviennent. Voilà, je pense que ça suffira. Ouais, fallait savoir que fallait vraiment, ça a fait, Ulukai. Vraiment l'angle. Que dalle, à côté de l'astéro de mon voisin. Je te remercie de nous avoir aidés. Tu devrais aller voir Eza. Il sera heureux d'apprendre ces bonnes nouvelles. Nickel. Du coup, il va me filer plein de thunes. Hé, hey, Eza, je crois que j'ai réparé ton puits. Je crois que tu es à l'intérieur de moi. C'était toi? Ouais, j'ai jeté des explosifs dans le fond du puits, et il s'est mis à cracher de l'eau. Ça devrait mieux marcher maintenant. Je dois avouer que tu me soulages d'un grand poids. Voilà pour te récompenser. Combien m'a filé? Ok, bon bah ça c'est fait. Chante. Qu'est-ce que tu chantes? Une vieille chanson de mineur que je chantais quand je travaillais dans les mines. Tu chantes avec moi? Ouf. Ah non, c'est bon. Chante avec moi, je te ferai un beau cadeau. Voilà des lunes que je n'ai pas chantées avec un autre talan. Ça tombe bien, je suis pas un talan. Je ne suis pas un talan. Ah, hey. Tu peux quand même chanter, non? Tu veux que je chante? Oui, je chante le début et toi la suite, d'accord? D'accord. Dolotai Kezokar. Dolotai Kezokar. Ah là. Ah. Milléa poème. Non, tu n'y es pas. Tu es sûr que tu sais chanter ça? Dolotai Kezokar. Dolotai Kezokar. Tu chantes bien, merci. Tu me fais vraiment plaisir en me mentant comme ça. Voilà, ça me fait plaisir que tu me mentes. Vraiment.
Ah, du métal. Du heavy metal. C'est qui l'autre qui ronfle là? Il y en a un qui ronfle. Non, mais il y a tellement de persos. Je parlais du personnage objet bien sûr. Sacré. Ah super. Objet sacré. Demandez mes objets sacrés. Merci beaucoup hein. Aide-moi à m'acheter à manger, tu veux bien Urukai? Mais combien il veut lui? J'ai déjà filé plein de thunes tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, la dernière fois. Ah mais tout le monde me kiffe hein. Hop hop hop. Il va où lui là? Aïe. Objet sacré. Objet sacré. Demandez mes objets sacrés. Ok, eux ils ont rien. D'accord. Allez, pourquoi il avance plus? Allô? Oh là là. Oh le jeu. Hop hop hop. On va casser la gueule à tout le monde. Ah mais oui, d'accord. Et donc là, ce que je fais, c'est parce qu'il y a un gros coffre. Donc je prends ça. Et Zen? Non, ça marche pas. Ah non, d'accord, fallait juste faire ça. Et hop, je monte. Non, ça ne marche pas. Est-ce que je peux détacher? Non, je peux pas le détacher. Ok, bon. Je crois qu'on a fait un bon tour ici. Hop, on va retourner dans la zone d'avant. Ah, il y avait un coffre ici. Il y a un coffre aussi ici. Ah, j'en doutais. C'est pété une jambe.
Bon, petite sauvegarde, et puis on retourne dans la zone d'avant, histoire de retrouver là la personne qui a perdu son bracelet. Et on va peut-être essayer d'aller... j'ai eu des succès. Regardez, c'est ma bestiole. Où ma bestiole? Comment tu vas? Je parle aux gens. Sirabia. Alors Sirabia était aussi grande que ça. Et si elle me faisait des caca liés à sa taille, je pense que je ferais un peu la tête. Quand il fait des pompes. Toi tu sais tout là. Soigne-moi, tiens, c'est vrai. Pourrais-tu me soigner? Bien sûr, Ulukai. Sois plus prudent à l'avenir. Oui, oui, je serai plus prudent. Allez, parle-moi toi. Allez. Allez. Autre. C'était au cham. Merde, je sais plus. Carnet de mission, Chamazar. Et. Ça. Est-ce que je voulais. J'étais au Talanzar avant. Ah non, c'est Okasankar qui appartient le bracelet. Ah merde. Bon bah tant pis. Si j'allais casser la gueule. Des machins là. Des militaires. Je vais au camp militaire, je casse la gueule à tout le monde. Aïe. Il m'a mordu. Il m'a mordu la petite saloperie là. Putain, c'est par où? Ah mais le v'là le truc là, non? Ah mais il y avait aussi la quête là. Mais oui, ça y est. Ah il me rappelle. Il y a de la dynamite. Il y avait la quête à la con là. Du machin qu'il fallait défoncer. Maintenant que j'ai l'arme pour là.
J'ai l'arme qui fait des trucs en cloche là. Ça devrait être ok. Il était où? Il était par là. Hein. Il était derrière ce temple là, je crois. Ah, gardez ça. Oui. Et donc là. Merde, trop loin. Ah non. Et hop. Finito. Finito le machin. Par contre, je sais plus qui m'en avait parlé. Il y a un vieux bruit de mouche là. C'est l'autre qui court là. Il vient vers moi pour dire hey, super mec. Trop content. Où sont les autres temples? Tu les trouveras au nord. Ok. C'est pas lui. Pourquoi tout le monde se barre là? Oh, je sais plus qui m'en avait parlé. Qui flippait là parce qu'il y avait une bestiole derrière. Ah lui il veut plus me parler lui. Ah, oh, je sais plus, c'est chiant.
c'est quelqu'un qui m'avait dit des trucs, c'est sûr, mais je me rappelle plus. Quel dommage que je ne sache plus. Message livré. Non mais a priori il est pas dans le coin, bon pas grave. Si un jour je retombe dessus, bah voilà. On va retourner au Porto. Il y a deux là-bas qui courent depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est chelou. Ah mais je crois qu'ils essaient tous de rentrer. Ils cultivent plus le riz en fait, donc ils essaient tous de rentrer j'ai l'impression. Sauf que les deux autres là-bas en fait, ils doivent être paumés. Qu'est-ce que tu fais gars? Vas-y, parle-moi. Ouais non. On vient d'atteindre l'espace dans Unreal, on m'a perdu ensuite. Ouah, trop bien! J'y suis jamais allé, moi, dans l'espace. Tu joues avec qui? Oh, mais le détour que je viens de me taper, quoi. Jouer avec Zetoun. Garoje. Ok. Je ne connais pas. Allez. On peut se voir un instant?
Visiblement, tu n'as pas de travail, compteur de Rhys. Peut-être, mais Croax est toujours en vie. Ma mission ne sera pas terminée. Que de courage. Tu veux... Non, je ne peux pas, bravo Lucaï. Tu dois avoir très peur. Ah oui, bien sûr, tu... N'aie crainte, Lucaï. Si tu as besoin... En rêve, ouais. Je n'ai pas entendu, Lucaï. C'est rien, ça s'appelle marmonner. Ah, par contre, le jeu garde les loots, parce que... Je suis... Le truc qui est au-dessus du poteau. Je l'avais déjà. Approche un peu, tu veux? Alors... Finalement, Mar n'a pas... Tu es fort sage et très doué, Ulu. Ça a été un gros effort. Pour tout le monde, Lucaï. Allons voir comment se battent les soldats de Croax et de... Ah, donc là, faut peut-être que j'y aille, justement. Ok. Maintenant qu'ils ont plus de bouffe... ils vont peut-être être plus faciles à buter. Qu'est-ce que tu balances, toi hein? Oh là là, mais regarde, que de munitions. Est-ce que je peux leur balancer un truc à eux? Comment on fait en sorte que ça pète cette connerie? Voilà. T'as vu, ça les tue. Non. Me bouffez pas. Mais par où je ressors? Je peux pas grimper par là? Allez, vas-y. S'il te plaît. Oh là là, c'est chiant. Il y a un truc en dessous là. Tu t'en vas, Malzekel? Et bah bonne nuit à toi également. Merci d'avoir été présente sur le stream. Concluant mon affaire là. Ça
façon, je pense que je vais pas trop tarder à couper le stream. Bien sûr qu'il est méchant. Oh là là, mais... Approche un peu, tu veux? T'es qui, toi? Je ne peux pas. C'est trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pense à Holokai. Dis à Ilot que je suis désolé. Ah. Non, ne meurs pas. Eh merde. Ah bah voilà. Voilà ce qu'il fallait faire en fait. Eh, tu sais quoi? Eh bien non. A priori, je suis méchant. A priori. Mais je suis pas sûr que c'est ça que tu veux me dire. Vu qu'il me semble, j'offre un jeu PC à streamer. J'espère que... C'est pas Loom, hein. Je l'ai déjà, Loom. Qu'est-ce que tu m'as filé? Désolé, hein, je vais voir, du coup. Qu'est-ce donc? Je estime que tu vas... Mais pourquoi, Melzekiel? Ce n'est pas Loom. Mais pourquoi donc? Je vais voir ça tout de suite. Hein. Je suis d'accord avec la licence machin de Steam. PC Building Simulator. Ah là là, merci. Merci beaucoup. Hein? 17... Quoi? Attends. Combien? 17 gigas. 17 gigas. Combien? 17 gigas le jeu? Mais... Hein, quoi? C'est un jeu de... Pour créer... Enfin, faire des PC? Pourquoi 17 gigas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, écoute, je regarderai... Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me fait rire et ça me fait plaisir. Les deux. Ah voilà, la clé des essences. Celle en forme de montagne. Sur ce, je décolle. Eh ben merci beaucoup encore. Alors la montagne, c'est celui, c'est ce temple là, ok. Il y a l'autre qui fait qui se meurt là. En plus, je suis quasiment sûr qu'il faut pas mettre les clés au bon endroit en fait. Ça disait quand machin domine truc, alors machin truc. Et quand machin truc domine bidule, alors poète machin quoi. Donc c'est gros comme une maison, faut prendre autre chose quoi. Ouais, vous avez vu. Vous avez vu. Faudrait retourner sur...
Chamaz Mazum a montré la voie du chat quand Fé domine Elue, Elue domine K, K domine Ganda, Ganda domine Fé, et tout le monde est dans le Sankra. Haut Fé, gauche K, bas Ganda, droite Elue. Elue. Ah! Ah, ça je pourrais noter par contre. Ça je pourrais noter. Bah, vu que le streamer il s'en fiche de deviner. Mais hein? Mais non, justement, je t'ai demandé. Mais elle m'écoute pas. J'ai demandé c'est quoi? Je t'ai demandé c'est quoi et du coup tu m'as pas dit. Oh. C'est Fae. Gauche. C'est K. Bas. Ganda, droite et Louis. Bah devine, tu as terminé ton pixel art. Putain, si c'est pas ça, tu vas penser que je pense qu'à ça. Tu vas dire que je pense qu'à ça. Et elle est où la carte? Tu ne penses qu'à ça. Ah merde. Merde. Alors. Ganda, c'est la montagne. Ça, c'est machin. Ça, c'est le N. Et ça, c'est le rond. Non, pas mon pixel art, mais 21 pixel art. Oh là 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 là. Que tu es doué. Que tu es doué. Voyons. Voyons, voyons. Quel deux étages. Alors là, je suis... Ah oui, et puis il y a le truc là. Donc il montre que K dans machin. Hein, machin dans truc. Là vers là. Et là vers là. Ça veut rien dire ça. Et bah super. Bah je suis content. Bah écoute, je regarde après qu'est-ce que ça donne et je te donne mon ressenti. Si tu le veux, évidemment. Alors, ah non, non, mais non. Donc ici on est sur la montagne. La montagne, faut mettre le zizi. Est-ce que tu es contente de toi déjà? Première grande question. Est-ce que le travail que tu as fourni te plaît? Oui, je suis contente. Oui, je le veux. Je regarde ça juste après le stream. Moi aussi, j'y pensais beaucoup. T'as trouvé des nouvelles fonctionnalités du coup dans le logiciel ou t'as continué sur les bases que tu connaissais. Alors, ici c'est quoi? Celui-là, c'est le N. Le N, c'est Eloui. Qui doit... continuer, d'accord. Eloui. Et Eloui... alors...
En fée domine et Louis. Il faut qu'on balance fée. Quand fée domine et Louis. Ah ouais, c'est vraiment en plus c'est ce qu'il y avait écrit. Donc c'est le rond. C'est lui. Donc là, fée sur et Louis. Ensuite, la montagne, c'est quoi ? C'est Ganda. Quand K domine Ganda. Mais le dernier, je le mets où, moi ? Et qui Dominica? Et Louis Dominica. Ok, donc le N dans le Z. Je sais pas si je suis clair. Procéder au cheminement vers le dodo. À toutes. Bah des bisous, à plus tard. Merci d'avoir été là. Et merci pour le boulot non rémunéré. Je regarde ça juste après, promis. Donc là, il faut que je prenne le N. N dans le Z. C'est ça. Et après, faut que j'aille là-bas, là. Qu'est-ce que... Hein ? Wesh. Oh ! Voilà, j'ai glissé, chef, c'est mieux. Et dans celui-là, et la montagne, faut que je mette quoi ? Faut que je mette le Z. Ça marche pas, j'irai casser la gueule. Militaire. Oh, ça a marché. Oh. Génie. I am Eugénie. Ah, il y a un passage là-bas.
Bon, on va y aller par là. Hein. Oh là là! Tellement de matos! Où je passe après, par là. Ah, il y a des cartouches. Regardez ça. Regardez ça. Hop, du coup, on sauvegarde. Hop. Et du coup, on peut mettre le dernier ici. Ce qui éteint la flamme. Et au début du jeu, il y en a un qui disait « Ouais, tout ça, il y a un truc dans la flamme. » Je l'ai vu. Colodo. Trop bien. Hé, hey, vise-moi ça. Summon est une carte informatique. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai trouvé le mon. Non, c'est pas là. C'est à côté. Bon, je vais juste sauvegarder devant et puis je vais rentrer dans la D2. Hop. Et je vais voir si, si j'ai la puissance de feu nécessaire pour leur casser la gueule à tous. Lui, il grandit la montagne comme ça, quoi. Mais merde.
Finalement, je peux peut-être le faire. Maintenant qu'on les a affaiblis. Quelqu'un me reçoit? Hein? Y'a quelqu'un? Wolf, c'est toi? Cutter, ah, au moins je me suis seule. Où sont les autres? Répète, Wolf, je te reçois mal. Cutter, si tu m'as attaqué et emmené quelque part, je ne sais pas où je suis. Décris-moi l'endroit. Oh, du lore, du lore. Je vois du sable. Dans une grande cité, il y a aussi un genre de pyramide. Viens vite. Tiens bon, j'arrive. Est-ce que les autres sont avec toi? Juste... trois. Oh non! Slade! Wolf? Oh! Putain de matos à la con! Ah bah... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour. Qui es-tu? Tu ne sais pas qui je suis? Non. Je commence seulement à apprendre les usages des chamas. Es-tu Félan? Pas vraiment, je m'appelle Cutter, mais ici on m'appelle Ulukai. Tu es Ulukai? Excuse-moi, je n'avais pas remarqué le signe sur ta tunique. Comment tu as fait pour ne pas le voir? Les soldats le voient bien, eux. Ils prennent même ça pour une cible. Je suis Chamazagi, enfin, presque un chamaz. Que puis-je pour toi? Zagi. Peux-tu me guérir? Je fais de mon mieux, Ulukai. Je n'utilise pas encore très bien mon essence. Bah, fais de ton mieux. Oh, il va me buter, ce con. Oh, c'est bon. Ah, il m'a pas soigné à donf, mais il m'a soigné quand même. Allez, parle-moi. Merci. Le Mon. Je veux des infos sur les Mon. Je ne sais pas grand-chose sur les Mon. Le seul Talan qui pourrait te renseigner est Chamaskeb. Que les Yod le protègent. Qui c'est Chamaskeb? Je ne sais pas quoi faire, Ulukai. Le Chamas est en prison de l'autre côté de la crevasse après l'épreuve de fée. Je n'ai presque aucun espoir de le revoir. Les soldats d'élite de Croax ont pour mission de le ramener à Okriana pour sa réintégration publique. Pourquoi il va être réintégré? Il a caché des gardiens et les soldats de Ferran l'ont découvert. Ferran veut faire un exemple auprès de ceux qui seraient tentés d'en faire autant. Il sera réintégré en place publique. C'est quoi cette épreuve de fait? Aucun Talan n'a vu l'épreuve de fait. Quand ils m'ont emmené près du Chamas pour soigner ses blessures, les soldats m'avaient masqué le visage pour que je ne puisse pas voir. Attends une minute là. Si le Chamas doit être réintégré aujourd'hui, pourquoi l'ont-ils soigné? Pour que la douleur soit plus forte lors de la réintégration, Ulukai. Il semblait déjà très affaibli. Les salauds, ils te soignent avant de te buter. Tu n'as donc pas vu ce qu'était cette épreuve? Non, mais j'ai senti une chaleur intense. Ce doit être très dangereux. Je crois qu'ils m'ont aussi emmené dans une sorte de labyrinthe. Le soldat devant moi n'arrêtait pas de se plaindre qu'il se perdait et qu'ils auraient dû apporter la carte. Un labyrinthe? Je crois, oui. Je me demande si le dessin sur le mur du camp militaire au sud de mon temple est une carte. J'aimerais bien la voir à nouveau. Tu sais quoi sur ces soldats d'élite? Je ne les ai vus qu'une seule fois en action, Ulukai. Et cela n'a pas duré longtemps. Ils sont rapides et agressifs. Il faudra de toute façon que tu arrêtes celui qui a la clé. C'est le seul moyen de libérer Chamaskeb. Ok, merci gars. Merci pour toutes ces infos.
Cool, des trucs pour me soigner. Des fois ça ressemble tellement à rien. Ah. Ah ah ah. Petite clé. Sont mes clés. Elles sont mes clés. Ah, je vais pouvoir acheter la dernière arme. J'ai les 1300. Quand je retournerai dans le... dans le bled. Ok. Voilà, il y a une crevasse avec du feu. Hein. Allez, oh là là, mais. Regardez par quoi il est coincé, quoi, c'est ouf. C'est ouf. Il y a une pierre par terre, il est coincé. C'est ça, c'est lui qui est censé être l'élu, quoi. Ok, bon. Aïe. J'ai glissé. Il y a un petit groupe d'ennemis là-bas. Oh, lui, il s'est suicidé là. Allez, je récolte, je récolte. Oula, on est au bagne. C'est le bagne, j'ai l'impression. Il veut me parler. Hey, ouais, je parle à machin et puis après dodo. Quel est le problème? Les galeries sont si fragiles ces dernières lunes. Mon ami travaillait dans la mine nord lorsqu'il a été brûlé. Qu'est-ce que je peux faire?
J'ai besoin de Fenet pour atténuer sa douleur. Il m'en faut deux. Et moi, Ziné, je t'en serai très reconnaissant. Parle-moi des mines. Nous y cherchons l'hélidium pour les soldats de Ferran et de Croax. Mais depuis quelques lunes, la Terre semble vouloir nous chasser. Vous chassez ? Oui, les galeries se rebouchent presque aussitôt. Chaque lune apporte son lot de lave et de rivières de feu. C'est très dangereux. Qu'est-ce que c'est une fainée ? Dans la région du Mothazar, il existe des plantes, les guarates, qui explosent quand tu t'en approches. Lorsqu'ils explosent, ils libèrent des graines. Ce sont les fainés que l'on emploie pour guérir les brûlures. Il met un coup de pioche à son pote ? Et ça ? Il essaie de buter son pote. Oh là là, oh là, oh. Ah. Trop de trucs à dire. Allez hop, sauvegardage. Hop, yes, I want to quit.